Dans ce problème, on sait qu'un livre et un cahier pèsent 674 grammes. On sait qu'un livre pèse 412 grammes, mais on ne sait pas combien pèse le cahier, c'est ce que l'on recherche. Alors on va mettre des dessins ou des représentations. Je suis allé chercher des représentations sur Internet pour mieux le visualiser. Le livre plus le cahier, tous les deux, ils pèsent 674 grammes. Je ne fais que réécrire ce qu'il y a déjà écrit dans le problème. Et je sais également qu'un livre, il pèse 412 grammes. Ça veut dire que je peux remplacer dans la première addition, je peux remplacer le livre par 412 grammes. Je peux donc écrire, je le remontre encore une fois, 412 grammes. Je peux donc écrire, comme dans la première où je viens de remplacer, 412 plus le cahier égale 674. Cela signifie que le cahier pèsera 674 grammes moins la masse du livre. C'est-à-dire 674 moins 412. Alors là, on peut faire la soustraction quelque part, je ne vais pas la faire ici, et on se rend donc compte que le cahier pèsera 262 grammes.